Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec les runes, je vais m'intéresser à l'avenir de la zone euro. Non pas de l'Union européenne, mais plus précisément de la zone euro. Ces pays qui se servent de l'euro comme monnaie. Alors avec les runes, la question va être très simple. Quel est l'avenir de la zone euro Comment va évoluer l'avenir de l'euro Voilà des questions qui vont peut-être trouver réponse. Je vais me permettre juste de rapprocher cette rune qui était tombée bien loin. Et on va regarder. On va regarder. Et si finalement vous observez, beaucoup de runes n'ont rien à dire. Beaucoup de runes veulent rester muettes. Et prenons le temps prenons le temps d'observer ce qui va se passer prenons le temps de regarder la position des runes en fait la question elle est simple quel est l'avenir de la zone euro de ces pays qui se servent de l'euro et regardez si vous regardez la plupart des tirages vous avez une zone assez on va dire autour de tout ça et là on voit trois ici trois là un là un là un là un là en fait, la zone va éclater. Tout simplement. On sent quelque chose au niveau de l'Allemagne ici. L'Italie complètement à part. L'Italie à part. Des pays ici qui souhaiteraient avoir un lien. On revient un petit peu... À une forme d'accord, vous savez, cet accord qui existait, le serpent monétaire, un pays qui rompt totalement les liens. Ce n'est pas l'Allemagne ici. L'Allemagne, elle est là. Elle est sortie, elle s'éloigne totalement. Et ce n'est pas, pas étonnant parce qu'au final, l'Allemagne, si on réfléchit, elle n'a plus de matières premières, tout venait de Russie. Les accords, maintenant, ça va être compliqué avec eux. Fermeture du nucléaire, on ouvre du charbon, on revient à l'âge de pierre. Le fleuron de leur industrie automobile, c'était les voitures diesel. 2032, je crois, ça sera le électrique. Je ne vois pas, je ne vois pas l'Allemagne se remettre de toutes ces évolutions. Je vous l'avais dit, je les vois. Hein, vois... C'est très curieux, hein. très en froid actuellement avec la Russie. Et pourtant, pour moi, c'est un pays qui reviendra très proche de la Russie et qui laissera tomber tous les autres pays européens. Ici, nous avons plus un, un agglomérat avec Paris, Paris, la France ici. Regardons l'interprétation. Maintenant, on va se concentrer non pas. Sur l'éclatement, parce que bah, pour moi, ça va être une zone éclatée, mais sur le message, sur la signification des runes. Je vais commencer ici par Manaz. Manaz, elle symbolise le voyage, le départ, le mouvement. Une forme aussi d'instabilité. On sent que quelque part, cette zone euro. Je vous l'avais dit dans le dessin des runes, mais pour moi elle éclate. Elle éclate totalement, c'est cette idée de voyage, de, de départ, de, de mouvement, tout va bouger. Alors tout ne va pas éclater en même temps, mais très rapidement, on va sentir que les membres fondateurs vont, ne vont plus converger vers la même idée. Principalement à cause d'une économie pourrie, soyons clairs. On retrouve avec Isa l'individualité. Chacun va faire un petit peu cavalier seul finalement. On, les sent, on sent les pays de moins en moins unis, de moins en moins soudés, si on peut parler qu'ils étaient soudés avant. Et s'il peut rester une union politique, dans un temps, dans un premier temps, on sent qu'économiquement, chacun va faire cavalier seul. Le temps ne sera plus à avoir une monnaie commune. Le temps sera vraisemblablement à essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Mais ce sera l'échec aussi de l'Europe fédéraliste. Ce sera l'échec d'une Europe en faillite et d'une Euro Europe qui aura failli sur un plan économique. Rappelez-vous les déclarations de Jacques Attali, de de Delors qui prédisait à l'Europe un avenir radieux, un avenir avec des croissances folles. Qu'en est-il Nous connaissons des croissances molles, plus que molles, très faibles. L'Allemagne a voulu recréer une Europe à son image alors que les pays comme l'Italie et l'Espagne en étaient bien incapables. L'Europe a été le désastre de beaucoup de pays, de la Grèce aussi. Et à force de vouloir tout mettre dans les mains d'une seule entité, l'Europe a montré un échec cuisant et flagrant. Gebeau que voici suggère que certains pays tenteront de recréer quelque chose pas forcément sur la base de l'euro, mais sur peut-être, euh, je ne sais pas, un franc, une monnaie en tout cas, des une, une cersters, pourquoi pas, des écus, enfin peu importe le nom que, de, que portera cette monnaie, en réalité ce n'est pas le nom qui va importer, mais ça montre que les pays, certains pays, essayeront quand même de garder quelque chose de commun pour pouvoir de toute manière commercer plus facilement et ne pas revenir totalement à l'ancienne méthode. On y voit aussi certains pays, notamment l'Allemagne, qui va se rapprocher fortement avec ce Widow de la Russie, cherchant sa protection, cherchant quelque part une forme de tranquillité, et puis l'Allemagne essayant de retrouver de sa superbe économique. Qu'elle va perdre, comme je vous l'ai expliqué, pour les raisons que je vous ai expliquées. Après la distance prise là avec cette affaire ukrainienne, l'Allemagne reviendra vers quelque chose de plus. de plus style Allemagne de l'Est, si vous voulez, que représentait finalement Angela Merkel. Il y avait une forme de rigueur, la rigueur qu'on vende toujours de l'Allemagne. Mais le modèle allemand est en train de s'écrouler économiquement. Il lui faudra beaucoup de temps pour s'en remettre. Elle ira chercher réconfort auprès de la Russie. La guse ici indique que certains pays, en tout cas ce groupe de pays, va agir très vite. Ils vont connaître croissance, évolution. Ça va bouger vite pour eux. Finalement, L'éclatement de l'euro, la perte de l'euro pour eux, va être quelque chose de bénéfique. Ils vont faire un groupement à trois. Pertro indique qu'ils vont presque même trouver une forme de monnaie commune entre eux. Ça ne me dit pas quels sont les trois pays-là, non Paris n'y est pas. Mais ces pays-là vont être plus malins, je dirais. Et vont réussir à garder quelque chose de commun, à mettre leurs différences en accord. Différences qui ne sont peut-être pas aussi importantes qu'on voudrait le dire. Tiwaz, ici, semble être une rune indiquant une forme de protection, qui n'est pas la Russie, mais qui est à l'opposé. Je dirais que ces pays-là vont chercher une protection au niveau des USA. Alors avec ce renseignement, pour moi nous sommes dans les pays euh, du type Suède, Pologne, quelque chose comme ça. Peut-être les, les trois pays, Luthien, Lituanie, pardon, Estonie et Lettonie. Nous sommes dans cette région, en tout cas. Trois pays qui vont essayer de se mettre sous la coupe US plutôt que de retourner vers une coupe avec la Russie. aura ici symbolise de gros changements, des renversements. C'est aussi une forme de... je dirais de stabilité de trois pays qui cherchent à recréer une forme d'union là aussi. Ça indique qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts. Mais que ces trois pays là finalement vont bien s'en tirer sans faire cavalier seul. Alors pourrions-nous penser que ces trois pays pourraient être la Belgique, le Luxembourg et la France, dans une sorte de communauté, où chacun, où chacun prend une place prépondérante et une force prépondérante un renversement total par rapport à la situation actuelle. Trois pays dont le Luxembourg économiquement serait le plus fort, mais avec finalement la France qui dispose encore d'atouts non négligeables. Wunjo en tout cas nous montre qu'il y a une fraternité, un lien, une forme d'identité même une forme de reconnaissance où on se reconnaît dans chacun de ces pays. En tout cas, Uruse vient bien confirmer Ruse vient bien confirmer que quelque part ce redécoupage de la zone euro sera bénéfique pour ces trois pays-là. Alors, il ne faut pas craindre parfois des bouleversements. Mais ce qui est clair, c'est que dès maintenant, par la construction même de l'Europe, par la construction même de la zone euro, elle a dès le départ, dès le premier jour, consacré sa perte sur le temps long. Si ce tirage vous a intéressé ou vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.